Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des cheveux et je suis contente parce que le temps est avec moi. Il y a 2 minutes, il faisait moche et maintenant il fait beau. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, @melaniedef, je vous le mets là et je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre, je mets plein de trucs sur Instagram. Je me suis coloré les cheveux en rose il n'y a pas très longtemps et je vous ai pas mal parlé de mon évolution capillaire, de mes tests un peu dans le naturel, comment j'ai fait pour espacer mes shampoings. J'ai fait une formation de coiffeuse il y a maintenant très longtemps, donc que j'ai terminé en 2011. J'ai travaillé ensuite une année, voilà, donc je suis pas non plus l'experte intergalactique de cheveux. Par contre, j'ai fait plein de découvertes depuis ce moment-là et j'ai réussi à espacer mes shampoings, j'ai réussi à garder des cheveux en bonne santé. Donc en gros, si ça t'intéresse, regarde la vidéo. Pour commencer, quel est mon type de cheveux? Donc j'ai toujours eu les cheveux ultra méga fins, ultra plat, très 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 raide. J'ai toujours eu ce type de cheveux là. Je suis blonde cendrée de nature, donc beaucoup plus clair que mes sourcils que j'ai fait beaucoup plus foncé actuellement. Et je faisais pas grand chose en fait, je me nettoyais les cheveux, je mettais un démêlant et même pas des fois et voilà, basta. Au niveau de la fréquence de shampoing, en fait comme j'avais les cheveux très fins et que du coup ben, le sébum qui venait aux racines ben, ça alourdit tout de suite les cheveux fins. J'avais l'impression d'avoir les cheveux gras assez rapidement et du coup je me les lavais chaque 2 jours. Et puis j'ai commencé ma formation de coiffeuse et là j'ai commencé les traitements chimiques, mèches, décoloration, couleurs, j'utilisais des produits chauffants, le sèche-cheveux, les plaques, le fer à friser, tout ce qu'il faut pas faire. Je me lavais toujours les cheveux chaque 2 jours et j'avais interdiction de les attacher, donc autant vous dire qu'il fallait qu'ils soient hyper propre. Et c'est à cette fabuleuse période que j'ai découvert le shampoing sec, qui est un peu le Graal de tout le monde en ce moment, mais c'est pas tant le Graal que ça, on verra ça plus tard. Bref, donc ça a été un peu la pire période pour mes cheveux, honnêtement même pire que maintenant, parce que vraiment je faisais beaucoup de traitements, j'ai beaucoup décoloré mes cheveux, je les nettoyais chaque 2 jours. Ok, je faisais un shampoing, un masque à chaque shampoing, mais je passais les plaques, je passais le fer à friser, je les séchais au feu. Enfin, c'était vraiment une horreur pour mes cheveux. Étonnamment, ils n'étaient pas si pétés que ça, heureusement pour moi, parce que sinon j'aurais été chauve. C'était un peu la période noire de mes cheveux où j'ai absolument rien découvert. Je me suis pas du tout posé de questions sur les compositions. J'utilisais que des produits de salon de coiffure qui pour moi étaient incroyables, parce que oui, niveau sensorialité, niveau effet, ils ont un effet incroyable. Sauf que c'est que du maquillage. Et puis j'ai totalement changé de métier, je suis devenue éducatrice et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en avoir, mais alors rien à péter de mes cheveux. Mais quand je vous dis rien à péter, c'est vraiment genre je les lavais chaque 2 jours, je les laissais sécher comme ça et je crois que j'avais fait un peu un espèce d'overdose de produits, ce genre de trucs. Et c'est à cette période qu'on a commencé un peu à parler d'espacer ses shampoings. Il y a eu le no-poo, le low-poo, il y a eu plein de trucs différents, c'était un peu la mode et tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça, c'est chiant de se laver les cheveux chaque 2 jours. Franchement, ça fait chier, hein. On n'a pas que ça à foutre dans la vie. J'utilisais toujours du shampoing sec, hein, le 2e jour, je vous rappelle, qui... Bref. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer d'espacer mes shampoings parce que vraiment ça commence à me saouler. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner, voilà, on a commencé à parler un peu des silicones, des sulfates, etc. Mais je m'y suis pas trop intéressée parce que j'en avais rien à foutre. Et donc je me suis dit, ok, je vais essayer d'espacer mes shampoings le plus possible. Et donc là, ça a été l'hécatombe de shampoing sec. Mon gars, j'ai commencé à espacer chaque 3 jours, chaque 4 jours. Et puis en fait, je suis arrivée à un shampoing par semaine. Donc ce que je faisais, c'est que je me lavais les cheveux le dimanche. Je faisais tout, j'utilisais mes shampoings classiques que j'avais achetés chez un coiffeur. Donc j'avais un shampoing plein de silicone et de sulfate de chez un coiffeur que je faisais une fois par semaine. Et j'utilisais un masque classique, vous savez, les masques Garnier que vous trouvez à la COP ou à la Migros. Et je faisais ça, ensuite je séchais mes cheveux, non je séchais pas mes cheveux, je les laissais sécher à l'air libre. Et ensuite au fur et à mesure que les jours avançaient et que mes cheveux regressaient, donc c'est-à-dire à partir du 2e jour, j'utilisais du shampoing sec tous les jours jusqu'au dimanche prochain, jusqu'à les renettoyer. Et donc je me suis dit, ah mais c'est cool, j'ai bien réussi à un shampoing par semaine, je suis contente de moi, tout ça. Et puis j'ai commencé à trouver que ça coûtait cher le shampoing sec, que j'ai switché mon shampoing sec Chlorane, le fameux que vous connaissez toutes,
par de la maïzena, et du coup je me suis dit, ben voilà, c'est plus naturel pour cuir chevelu, c'est mieux, etc. Donc ça coûte moins cher. Du coup j'ai utilisé ça à la place du shampoing sec, naturel, classique. Et puis les jours avançaient, et je me suis dit, enfin ça a été vraiment une période de ma vie où j'étais extrêmement stressée, donc ça a beaucoup joué sur cet aspect là aussi. Mais ça a été une période où j'ai commencé à perdre mes cheveux en poignée. Mais genre en poignée, j'ai commencé à avoir plus rien sur le dessus du crâne. Là d'ailleurs, vous voyez encore les vestiges. J'avais beaucoup plus de cheveux avant, pour vous dire, j'avais une frange et on voyait pas mon crâne. J'ai toujours eu les cheveux fins, mais ils étaient pas autant clairsemés que maintenant, que vous pouvez voir l'état actuel. Et là, j'ai retrouvé de la masse. Hein, donc pour vous dire que c'était vraiment bien pire avant. Et je comprenais pas, je me disais, ok, c'est le stress, ok, machin. Oui, ça a été le stress, ça a beaucoup joué. Mais je pense vraiment en partie que c'était le shampoing sec. Et j'ai pu confirmer ça un peu plus tard, donc on va y revenir. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais cette routine, finalement, elle est pas si bonne. Parce que oui, je me lave les cheveux une fois par semaine. Mais au final, je mets du shampoing sec au bout du deuxième jour, donc mes cheveux regressent toujours autant qu'avant. Le fait d'avoir espacé les shampoings, ça n'a absolument rien changé. J'avais toujours les cheveux qui graissaient, j'avais pas plus de volume, j'avais rien de spécial. Et là, je me suis dit, il y a quand même un petit problème, il va falloir que je change tout ça. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux compositions, aux ingrédients, à ce qu'on met dans nos shampoings. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite fortement à faire un peu vos recherches parce que c'est hyper intéressant et on découvre plein de trucs. Je vais pas tout vous détailler ce que font les ingrédients. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de La Petite Gabi que je vous mets là et en barre d'infos. Qui explique super bien ça. Il y a des vidéos dédiées sur les silicones, sur les sulfates, etc. C'est hyper bien détaillé, je vais faire ça en résumé, mais voilà, en gros. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur les ingrédients et à vouloir un peu changer mes produits sans pour autant passer au naturel, parce que franchement, me laver avec de la poudre de chikikai ou je ne sais quoi, j'étais vraiment pas prête pour ça, surtout que j'avais encore des cheveux méchés. Et du coup, c'est-à-dire des pointes abîmées, et du coup, ben, c'était juste pas possible pour moi de me laver avec des poudres. Donc je me suis un peu intéressée à comment fallait faire pour espacer vraiment les shampoings. Donc on nous disait d'arrêter le silicone, d'arrêter les sulfates, et de se laver les cheveux le moins souvent. Donc pourquoi on dit qu'il faut pas utiliser de silicone? En fait, le silicone, ça va être un ingrédient, une molécule qui va se mettre autour de votre cheveu pour le gainer, pour le renforcer, pour le, entre guillemets, le protéger. Alors c'est très bien quand vous l'utilisez au niveau des pointes, parce que ça c'est mort, donc on s'en fiche s'il y a du silicone. Mais en revanche, sur votre cuir chevelu, ça va étouffer votre racine et ça va étouffer en fait la pousse, ça va vraiment étouffer votre cuir chevelu, parce que ça c'est vivant, ça non. Et pour que ça soit joli, il faut que ça soit en bonne santé. Donc ça va former un espèce de film autour de votre cuir chevelu et du coup ça va l'étouffer, ça va alourdir extrêmement vos cheveux, ça va les faire regresser parce que votre cuir chevelu va se sentir agressé. En gros, c'est pas bon pour les cheveux. Vous avez ensuite les quats, polyquaternium, qui sont en fait des dérivés de silicone. Donc souvent quand vous voyez des produits du style L'Oréal comme ça, marqué silicone free, je sais pas parler, mais que dedans vous avez l'hydroxypropylguarhydrocopropylénthanium, et ben ça c'est un quats. Qu'est-ce que c'est un quats? En fait c'est un dérivé de silicone. Il va avoir la même action en fait que le silicone, mais au lieu de faire un film autour de cheveux, il va s'imbriquer dans toutes les petites brèches de vos cheveux et du coup ça va le gainer. Donc c'est beaucoup moins pire qu'un silicone classique. En revanche, ça reste du silicone. Au niveau des sulfates, on a deux types de sulfates. Donc on a les SLS qui sont les sulfates agressifs et les sulfates tensioactifs doux qui sont beaucoup mieux pour votre cuir chevelu. Donc les SLS en fait c'est basiquement un tensioactif détergent que vous trouvez dans votre produit vaisselle, dans votre savon pour le four ou n'importe quoi, qui va vraiment décaper en fait l'endroit où il est appliqué. Et utilisé trop constamment, il va vraiment décaper votre cuir chevelu. Et votre cuir chevelu il va dire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il va se sentir agressé et il va produire deux fois plus de sébum pour se protéger. Ensuite on a les tensioactifs doux comme le
cocoïl glutamate, qui est un tensioactif à base de coco et qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins détergent qu'un tensioactif classique, et donc qui va être beaucoup mieux pour votre cuir chevelu et beaucoup moins agressif. Donc d'une fois que j'ai découvert tout ça, je me suis dit ok, donc c'est ça que je vais faire pour essayer d'espacer le shampoing. Et là a commencé le parcours du combattant le plus incroyable de toute ma vie, parce que je vous dis, trouver un produit sans silicone, sans sulfate, sans quartz, eh ben faut se lever tôt. Autant vous dire que je n'ai pas trouvé ce produit miracle. En revanche, j'ai trouvé des produits dont je vais vous parler après, qui ont soit des tensioactifs doux et pas de silicone, soit voilà, enfin j'ai essayé de faire un mix un peu entre les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé d'abord par supprimer tous les silicones. Donc j'ai acheté plein de produits avec plein de sulfate, mais sans silicone. Par contre, il y avait quand même des quats. Ça a été une catastrophe parce que mes cheveux étaient mais dégueulasses. J'ai les cheveux qui ont regressé, mais genre à 1 milliard de pourcents plus. Je me suis dit ok, c'est la merde. Donc j'ai repris les silicones et j'ai complètement enlevé les sulfates. Et c'est un peu les trucs genre no poo, vous savez, Yves Rocher, la bouteille, je vous la mettrai là, qui est blindée de polyquaternaire, donc des cats, et qui est une horreur. J'ai eu les cheveux les plus plats de l'univers. Je crois que déjà que j'avais les cheveux plats, mais alors là, c'était encore pire. Voilà, donc ça a été un peu un parcours du combattant. Et finalement, j'ai réussi à trouver des produits et un compromis. Et j'ai réussi, en fait, j'ai acheté un shampoing sans silicone avec des sulfates doux. Et j'ai utilisé un après-shampoing sans rien du tout. Et là, ça a été la révélation de ma vie. Mais comment vous dire, la révélation de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passée à 2 shampoings par semaine. Et encore, je pourrais tenir presque un peu plus longtemps. Je pourrais tenir 4-5 jours. Au bout du 4e jour, ça commence à devenir un peu limite. Mais je pourrais tenir un 5e jour. Mes cheveux ont commencé à devenir beaucoup plus souples, beaucoup moins plats, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à coiffer. Ils n'étaient pas pétés au bout, étonnamment, donc j'étais très contente. J'avais beaucoup de facilité à les démêler. J'avais plus du tout de perte de cheveux, parce que du coup, bien sûr, j'ai arrêté totalement le shampoing sec. Et vraiment, ça a été la révélation de ma life. Le silicone, les quats et les SLS, c'est de la merde. Arrêtez tout, vraiment, ça a été une métamorphose dans mes cheveux, c'est un truc de malade. Et j'ai continuer à faire des mèches, à décolorer mes cheveux, et même sur cheveux décolorés, ça n'a eu aucun impact négatif. J'ai jamais eu des cheveux autant beaux qu'à ce moment-là. Vraiment, je pouvais en faire ce que j'en voulais, et c'était un bonheur de pouvoir enfin se laver les cheveux 2 fois par semaine sans utiliser de shampoing sec. En parlant de shampoing sec, on va en revenir 2 minutes, parce que je vous ai dit avant que c'était pas terrible, mais je vous ai pas dit pourquoi. Donc j'étais à mes 2 shampoings par semaine, et il y a une fois où je me suis dit allez, j'essaie de tenir un jour de plus, et du coup c'était le 5e jour. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit ouais, non, je peux pas aller comme ça au travail. Si j'étais restée chez moi, ça aurait passé, mais au travail c'était un peu limite. Du coup j'ai dit bon, je fais un petit coup de shampoing sec, de toute façon je me lave les cheveux ce soir, c'est pas trop grave. Et ça faisait un moment que mes cheveux n'étaient pas tombés comme j'avais eu dans la période d'avant. Et ce jour-là, j'ai eu une touffe de cheveux qui m'est restée dans la main, mais je pense que j'en ai perdu mais 1 milliard d'un coup sur ma brosse était pleine, alors que d'habitude il y en a que quelques-uns qui se courent après. Là j'ai compris qu'en fait le shampoing sec, ça me faisait tomber les cheveux. Et du coup j'ai fait quelques recherches sur le shampoing sec et je me suis rendu compte qu'en fait ça étouffait le cuir chevelu, mais genre vous vous rendez même pas compte. En fait imaginez que vous vous mettez chaque fois une poudre, parce que les shampoings secs c'est une poudre absorbante en fait, que vous vaporisez une poudre et vous vous revaporisez une poudre tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vous avez une quantité de poudre dans les cheveux, même si vous brossez après, que vous secouez, qui vous reste sur le crâne. C'est comme si maintenant vous laissiez la poussière et la pollution de la journée sur votre visage tout le temps, que vous remettiez du maquillage, que vous l'enleviez juste comme ça, que vous remettiez du maquillage, etc, etc. C'est dégueulasse. En fait ça étouffe mes racines et je pense que ça fait tomber mes cheveux. Donc le shampoing sec c'est de la grosse merde. Donc à partir de ce moment là j'ai totalement arrêté l'usage de shampoing sec, qu'il soit naturel, pas naturel. Je précise que c'était de la maïzena que j'avais mis, et que je refais le test avec un shampoing sec classique genre Chlorane, et ça m'a fait les deux la même chose. Donc vraiment j'ai absolument plus du tout envie
de retester le shampoing sec parce que j'ai pas envie d'être chauve. Voilà, donc tout allait dans le meilleur des mondes. J'avais enfin trouvé ma routine capillaire. J'ai pu espacer mes shampoings à 2 shampoings par semaine. J'avais 2 cheveux magnifiques. Et j'ai eu l'idée de me faire les cheveux roses. C'était un peu la merde. Parce que qui dit cheveux roses dit cheveux très décolorés, cheveux abîmés. Très fragilisé et qui dit coloration. Donc il a fallu composer un peu parce que j'avais vraiment pas du tout envie de revenir à une routine classique. J'avais pas envie non plus de foirer ma couleur parce que ben je l'aime cette couleur, voilà, donc j'ai envie qu'elle reste jolie. En gros j'ai gardé les shampoings sans sulfate et sans silicone que j'avais, avec les soins sans silicone et sans sulfate que j'avais, et j'ai ajouté 2-3 étapes que malheureusement j'ai pas trop le choix. Le mélange des deux se combine bien et au final j'ai réussi à garder mon espacement de shampoing à 2 par semaine. Je n'utilise pas de shampoing sec, mes cheveux ne tombent pas, ils ne sont pas rêches, ils sont plutôt doux d'ailleurs, ils sont brillants comme vous pouvez voir. Voilà, je trouve que ça se porte bien. Et il se coiffe assez facilement. Donc voilà, je les démêle assez facilement. Donc je suis assez contente de ma routine. Mais je pense que vous brûlez d'envie de savoir ce que j'utilise comme produit. Donc sans plus attendre, on va passer à ma routine. Donc je fais 2 shampoings par semaine. Et je prépare un soin repigmentant à la maison moi-même pour l'après-shampoing, pour... garder de jolis reflets. Et puis une fois tous les 15 jours, je refais ma coloration complètement racine et tout machin pour qu'elle soit vraiment bien pétante. J'utilise 2 shampoings différents. Donc j'utilise tout d'abord le shampoing lavage fréquent sans sulfate pamplemousse et miel de chez Melvita, qui se présente comme ceci. Il sent genre trop trop bon. J'adore ce shampoing. Il est vraiment génial. Ça, c'est ma quatrième... Non, c'est ma troisième bouteille. Donc, autant vous dire que je l'aime d'amour. Il mousse très bien. Il mousse pas trop. Il laisse mes cheveux doux. Il laisse mes cheveux brillants. Et il me fait pas régresser du tout les cheveux. Au niveau de la composition, on est très bien. Il contient des sulfates d'origine naturelle. Donc, justement, comme le Destil Glucoside, etc. Il n'y a pas de silicone dedans. Il n'y a pas de quartz. Donc, il est vraiment génial. Je l'alterne avec un autre shampoing que j'ai découvert, en fait, dans la box, la Myrtia box dont je vous ai parlé, je vous mettrai la petite vidéo dans le petit i, qui est en fait ce shampoing là qui a bien diminué déjà depuis que je l'utilise. Et donc en fait c'est un shampoing solide des Jardins de Denise, et donc celui-ci c'est le shampoing pour cheveux fins. Et j'ai gardé le papier pour la composition. La composition est vraiment rien à dire, vraiment rien à dire. On a uniquement un seul suactif d'origine naturelle, on a de l'huile d'argan, de l'eau de lavande, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut dans ce shampoing et c'est aussi en partie grâce à lui que j'ai beaucoup de volume. En plus c'est un shampoing solide, donc c'est zéro déchet, donc c'est encore mieux. Et puis en général ce que je fais, c'est que après je mets toujours un après-shampoing que je vais mélanger avec un peu de coloration pour me faire un soin repigmentant. Donc je mets la quantité d'après-shampoing que j'ai envie, un petit peu de couleur, je mélange tout, j'applique sur mes longueurs principalement et je laisse poser le temps de nettoyer mon corps, et puis ça va redonner un peu de peps à la couleur sans refaire toute ma coloration complète. Pour ça j'utilise ce produit là, c'est le baume démêlant de chez Melvita, qui est le premier baume démêlant que j'ai trouvé qui est sans sulfate, sans quartz et sans silicone. Il fonctionne super bien, il sent super bon. Il faut pas en mettre beaucoup, par contre il faut laisser agir pour qu'il soit vraiment efficace. C'est mon 3e tube également, donc je suis hyper contente niveau compo. Franchement, on est au top. Et en fait, je le mélange avec un peu de coloration rose et du coup, ça me fait mon soin repigmentant. Ensuite, avant shampoing, j'utilise une huile qui est celle-ci, qui est la Régénérescence Naturelle de chez Léonore Grelle. Si vous connaissez pas Léonore Grelle, en fait, c'est une marque un peu clean beauty. Je mets des gros guillemets parce que, par exemple, là, sur le packaging, ils nous mettent sans silicone, sans SLS, sans parabènes. Par contre, ils contiennent quand même des quartz. Et j'ai eu vu une ou deux fois un sulfate un peu entre deux, tu vois. Mais en ce qui concerne cette huile, il n'y a rien du tout dedans, il n'y a que des huiles. La composition est top. C'est un mélange d'huile, en fait, que vous allez appliquer uniquement sur votre cuir chevelu et qui va vraiment relancer un peu le mécanisme de pousse. Et composé d'huile végétale très riche en vitamines et en acides gras essentiels qui active la micro-circulation du cuir chevelu, fortifie le cheveu et prévient la chute. Et cette huile, ça a été la sauveuse de mon cuir chevelu.
Alors déjà, ça purifie un peu le cuir chevelu, donc ça permet d'enlever un peu les poussières et la pollution, etc. Donc ça aide aussi dans le processus d'espaçage de shampoing. Et surtout, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez les petits cheveux que j'ai là? Eh ben là, avant, j'avais pas de cheveux. Et grâce à ça, ils ont repoussé. Genre là, vraiment, j'avais un trou et vous avez vu là, les petits cheveux? Ça, c'est des repousses. C'est un truc de malade. Vous savez, on voit toujours la pub Nu Skin, je sais pas quoi, cheveux, compléments alimentaires, genre ça marche jamais. Et ben ça, ça marche vachement bien. Donc ce que je fais, c'est que je le fais un shampoing sur deux. En fait, vous prenez et vous mettez une goutte sur chaque raie, voilà, partout sur votre cuir chevelu. Et ensuite, vous allez masser votre cuir chevelu et ça fait... et c'est surtout le massage qui va vraiment tout activer. Donc vous devez le poser minimum, laisser poser minimum 15 minutes avant de faire votre shampoing. Moi, en général, je le laisse bien plus. En général, je le mets minimum une demi-heure, voire une heure. Et je vous jure que ce machin, j'y croyais vraiment pas quand Géraldine m'en a parlé. Si vous n'avez pas suivi, Géraldine, c'est ma coiffeuse. Je me suis dit, ouais, c'est encore une 600e promesse qu'on nous dit, etc. Et en fait, ça marche trop bien. Ensuite, d'une fois que je me suis nettoyé les cheveux, je me les démêle avec un peigne, je les sèche et puis je m'arrête là. Et puis vous allez me dire, ouais, c'est bien joli tout ça, mais ta coloration, comment ça se passe ? Actuellement, je refais ma coloration tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'en fait, je me lave les cheveux, je me relave les cheveux et je me relave les cheveux et ensuite je refais ma couleur. Et entre-temps, je fais que des soins repigmentants. Donc pour faire ma couleur, donc j'utilise deux produits. Donc j'ai des Colovista comme ça qui me restaient de chez moi que j'utilise pur ou mélangé avec de l'après-shampoing. Mais en ce moment, j'utilise le Flamingo Pink de chez La Richer. J'aime pas trop les colorations de La Richer, je suis pas très fan, mais actuellement j'ai que ça. Donc en fait c'est une coloration ultra pigmentée comme ceci, rose pétant, et donc pour arriver à un rose pastel, je le dilue dans de l'après-shampoing et ben évidemment je suis obligée de l'appliquer aux racines et comme j'ai cet après-shampoing est assez cher, j'ai pas envie de l'utiliser pour ça, donc c'est le moment où j'utilise de l'après-shampoing classique. Donc c'est une fois tous les 15 jours, donc c'est pas non plus énorme. En ce moment j'utilise celui-là qui est vraiment nul à chier, je déteste ces produits. J'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing et j'ai trouvé ça nul à chier. Déjà ils nous disent sans silicone, sans SLS, sans sulfate horrible et tout ça, et c'est totalement faux parce qu'on a que de la merde là-dedans. Donc je continue d'utiliser des produits avec une composition moins bonne pour faire mes colorations, mais c'est une fois tous les 15 jours et je me dis bon, pour l'instant je suis toujours à deux shampoings par semaine, mon cuir chevelu n'est pas dégueu, j'ai pas les cheveux qui sont revenus dans l'état où j'étais avant. J'essaye de trouver des produits un peu moins pires que par exemple le truc L'Oréal basique. Par exemple, vous avez cette gamme là, Botanicals de chez L'Oréal, qui est beaucoup moins pire que les gammes classiques. Donc, en conclusion de cette vidéo, le shampoing sec, c'est très mauvais pour vos cheveux. Préférez espacer vos shampoings où vous lavez les cheveux plutôt que d'utiliser du shampoing sec parce que ça étouffe vos cuirs chevelus. Deuxième point, faites très attention aux ingrédients que vous utilisez. Utiliser du silicone et des quartz à petite dose, ça peut être bien quand on a les cheveux pétés et uniquement sur les longueurs. En revanche, sur le cuir chevelu, ça étouffe et ça fait regresser les cheveux. Troisième chose, quel que soit le type de vos cheveux, les circonstances, n'importe quoi, évitez absolument les sulfates chimiques qui vont vous décaper. Les sulfates d'origine naturelle sont largement suffisants pour vous laver les cheveux et vos cheveux vont vous remercier. Surtout si vous avez les cheveux colorés. Voilà, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Vous m'en avez posé énormément. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire en dessous. Ça me fera toujours plaisir. Me mettre un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo. Ça me ferait super plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao.